Souvent pauvre, amoureux, n'ayant rien sous la dent, j'avise une cuisine au soupirail ardent. Je n'ai ni lit ni hamac. Je ne connais d'autre huche si ce n'est mon estomac. Mamie, pourquoi vous viez-vous ? Jean-Baptiste Popin. On dit que le plaisir de la table est le plaisir des dieux. Bon, on dit ça de tous les plaisirs. Mais avouons que c'est un plaisir tout de même. Il nous paraît médiocre parce que nous ne savons plus manger. Il était précieux à nos pères dont l'estomac était complaisant. Et si leurs excès sont pour quelque chose dans la tendance déplorable qu'ont nos artères à se durcir plus vite que de raison, pardonnons. Car de ces longues séances à table est né cet art charmant, cet art exquis de la conversation. La guerre de Troie, en moins de deux. L'histoire de la guerre de Troie, c'est l'histoire des conséquences en cascade de l'enlèvement d'Hélène au bras blanc, la plus belle femme du monde. Alors,